Bonjour à tous, Stéphane Deras, Aquafadas. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau séminaire en ligne. Aujourd'hui, je suis avec Alison Reber, notre directrice de la communication et du marketing. Oui, J'ai... bonjour Stéphane. Désolée, j'ai fait toute une Voilà. présentation, mais je crois que mon micro n'était pas allumé. Exact. Pas grave. Je vais donc Voilà. Bah commencer. ça Bon. tombe bien, je venais de te présenter, donc je te laisse prendre la main. Oui. Bonjour à tous. Donc, comme je le disais quand vous ne m'écoutiez pas, le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui parle de solutions pour créer des documents interactifs. Chez Aquafadas, nous avons deux solutions, un plugin pour InDesign, mais aussi des solutions automatiques qui ont évolué ces derniers temps et donc on voudrait vous montrer ces derniers développements. Le webinaire va durer 45 minutes. Il sera enregistré et il vous sera envoyé à la fin de la présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Il y a un onglet qui s'appelle Questions. Vous pouvez envoyer vos messages. On essayera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation. Et merci à tous d'être là. Et donc, Stéphane, je te rends la parole puisque maintenant nous arrivons à communiquer. Merci Alison. Merci. Bon, je reprends en effet la main. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui l'ensemble des solutions de création de contenu numérique interactif chez Aquafadas. Comme vient de vous le citer Alison, nous en avons deux principales. La première qui est le plugin pour Adobe InDesign. La deuxième qui est Cloud Authoring, une solution SaaS qui vous permet d'enrichir et de rendre vos contenus images, PDF ou XML interactifs et bien sûr de les diffuser ensuite sur plateforme mobile, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs via également notre tout nouveau web reader que je vous présenterai à la fin de ce séminaire. Concernant Cloud Authoring, rapidement maintenant, puisque comme vient de vous le dire Alison, nous avons aussi des solutions non seulement manuelles, mais également automatisées, qui vous permettent de générer des masses de contenu pour mobile. La première, c'est Conversion Flow, qui vous permet de convertir en masse vos PDF. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir les diffuser sur plateforme mobile d'une manière sécurisée, tracée, pouvoir prendre le contrôle de cette diffusion, mais également obtenir déjà une interactivité par défaut que nous ajoutons automatiquement, qui est la lecture guidée. Vous verrez dans mes exemples de démonstration ce que cela veut dire exactement. Donc, solution très intéressante pour vite diffuser vos contenus existants, sur plateforme mobile, mais également web, encore une fois. La deuxième solution, la solution Creative Flow, vous permet de convertir vos contenus plus structurés, donc des contenus au format XML avec différents types de structures. Hein. Nous avons déjà intégré par défaut NewsML 2 pour la presse, Dita pour le corporate, mais nous pouvons prendre en compte à peu près n'importe quel schéma propriétaire XML du moment que nous y retrouvons les informations de contenu nécessaires à la diffusion ensuite. Donc c'est un travail d'étude ensemble à ce niveau-là. Concernant Creative Flow toujours, nous avions jusqu'à présent un seul type de modèle ou template pour évidemment associer vos contenus à des templates riches pour ces plateformes mobiles. Tout d'abord InDesign avec le même plugin que nous allons voir dans un instant qui vous permet de créer des contenus mais aussi des templates, des modèles. Dans ce cas-là, on est dans un cadre de template fixed layout ou pixel perfect comme on dit, c'est-à-dire que vous allez dessiner des modèles exactement à l'image de ce que vous voulez avoir comme rendu sur vos mobiles, que ce soit des smartphones, que ce soit des tablettes, mais vous allez devoir dans ce cas-là en effet dessiner des templates portraits horizontaux. Et pour smartphone et pour tablette, très précis, mais l'avantage étant que vous avez dans ce cas-là des templates très riches et des contenus qui évidemment sont très beaux à l'écran. La deuxième solution que nous venons d'introduire tout récemment est la possibilité de faire du templating, donc du modèle HTML5. On se retrouve dans un cadre cette fois-ci purement web. Comme vous le faites probablement avec vos sites web actuels, vous allez pouvoir fusionner des templates HTML5 avec vos contenus XML.
mais au travers de notre solution, ce qui vous permettra immédiatement de diffuser ces contenus vers des plateformes mobiles. Quand on dit plateforme mobile, ça veut dire à la fois dans des apps natives pour iOS et Android, mais aussi des web apps, et puis bien sûr des web readers pour la partie desktop, la partie web. Et enfin, tout récemment également, nous venons d'introduire des applications natives pour Windows 8 et 10, ainsi que macOS 10. Voilà. Donc, l'ensemble de cette gamme vous permet en gros de faire des contenus soit de manière manuelle, soit de manière automatisée, et à travers évidemment différents types de templates et où, en partant de différentes sources de contenus que vous pourriez avoir chez vous. Et bien sûr, tout cela peut se combiner, puisque nos solutions sont très versatiles et très configurables. Nous avons même introduit tout récemment la possibilité d'internaliser complètement ces solutions avec une solution on-premise, si cela vous intéresse. Voilà. Alors, on va passer dans le vif du sujet rapidement pour que vous voyez de quoi nous parlons. Rapidement, donc, cette gamme de solutions, vous le voyez à l'écran, vous permet, au travers du plugin en haut, vous voyez les icônes InDesign Authoring ou Cloud Authoring. Donc, ça, c'est au travers du plugin ou de l'interface web Cloud Authoring, vous allez pouvoir créer vos contenus, les enrichir, les rendre interactifs. Ensuite, pour la pure génération des sorties numériques, que ce soit du HTML5 ou notre format AVE, vous allez utiliser soit Conversion Flow, soit Creative Flow. Bien sûr, tout cela est transparent pour vous, nous le paramétrons pour vous la première fois, mais ensuite, vous pouvez en prendre complètement le contrôle au travers de vos équipes internes ou de vos partenaires. Enfin, la grosse icône que vous voyez en haut à gauche, le Cloud Connect, vous permet de gérer la diffusion de vos contenus d'une manière très sécurisée, mais aussi très contrôlée vers vos différentes apps, quels que soient les canaux choisis, mais aussi le web. Donc, c'est vraiment la pure partie diffusion. Et enfin, en bas, vous voyez deux icônes pour nos dernières applications que sont App Factory pour iOS et Android, qui vous permettent, elles, de générer vous-même les applications natives, soit au format IPA, et puis aussi pour Android, bien entendu. Donc, ça, ce sont l'ensemble de nos applications. Au niveau des sorties, nos solutions vous permettent de sortir trois principaux formats. Tout d'abord, évidemment, encore et toujours le format EPUB, mais au format Fixed Layout, donc compatible avec Amazon, Kobo et les différentes liseuses électroniques, encore une fois de manière manuelle ou automatisée. Notre format propriétaire, ensuite, l'AVE. Pourquoi propriétaire? Bah, tout simplement parce que nous avons une gamme d'enrichissement qui n'était pas facilement compatible avec les formats existants. Le HTML5 ne permet pas encore de faire toutes les interactivités que nous avons au catalogue, donc c'est pour ça que nous avions notre format propriétaire. Le deuxième avantage étant de pouvoir sécuriser aussi votre contenu quand il part sur des plateformes mobiles, qu'on ne puisse pas en extraire ou copier-coller facilement le contenu à partir, comme par exemple, d'un PDF. Dans notre cas, votre contenu est complètement encapsulé, sachant qu'à l'intérieur de l'AVE, c'est en fait aussi du HTML5 en grande partie. Et enfin, le dernier format, qui est le plus répandu aujourd'hui, le HTML5, qui vous permet, au travers de notre liseuse web ou web reader, de sortir un contenu responsive parfaitement adapté à tous les formats, mobile, tablette et bien sûr desktop, et également compatible avec nos applications récentes pour Windows 8 et 10 et macOS 10. Voilà, donc une gamme de sorties qui, comme vous le voyez, correspond aux standards du marché, ce qui vous permet de choisir exactement ce que vous voulez faire en fonction de vos contenus, de ce que vous souhaitez ensuite comme automatisation et enfin comme sortie et comment l'intégrer. Alors, pour faire tous ces contenus, vous l'avez compris, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous les montrer maintenant, une par une, pour que vous compreniez bien quels sont ces outils et comment les mettre en œuvre. Alors, la toute première méthode est certainement la plus simple, c'est de partir de vos PDF, donc de votre contenu existant, et de l'uploader, c'est-à-dire de le télécharger, le téléverser sur notre outil Cloud Authoring, qui, encore une fois, est une interface web en ligne. Et à partir de là, vous allez pouvoir rajouter, via cette interface web, vos propres enrichissements. Donc, je vais vous montrer concrètement ce que cela veut dire. On va basculer sur mon navigateur web. Voilà. Et ici, je suis justement devant l'interface Cloud Authoring.
sur laquelle je vais créer un nouveau projet avec vous. La première phase consiste à dire quel type de sortie vous souhaitez avoir. Donc, vous retrouvez les différents formats que je vous ai expliqués il y a quelques secondes. On va simplement dire qu'on veut tous les formats possibles dans ce cas-là. Et puis là, vous avez juste à glisser, déplacer ou uploader vos fichiers PDF. Donc, il vous suffit d'aller choisir un fichier PDF, tout simplement, et de le mettre. Donc, je vais faire ici une recherche, ça va être plus simple, voilà, de PDF. Voilà. Et on va prendre, par exemple, on va prendre, peu importe, un fichier PDF, le voici. Voilà. Vous avez juste à le télécharger. Vous pouvez en mettre plusieurs à la fois, c'est-à-dire vous pouvez choisir soit un dossier, soit un ensemble de fichiers. Et quand vous avez terminé, vous passez à la suite, où vous allez donner un nom à votre projet, mettre une icône, dire quelles sont les pages de prévisualisation que vous voulez mettre si jamais vous allez vers une app. Et ici, vous voyez dans la colonne de gauche les différentes sorties. On oubliera pour ce séminaire la partie Comic Composer qui correspond à notre capacité aussi de générer des bandes dessinées. Ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais on voit ici évidemment la possibilité de générer une sortie vers l'App Store ou le Play Store, donc que ce soit iOS ou Android, ou la nouvelle liseuse web en HTML5 ou l'ancienne liseuse web que nous avions toujours présente au catalogue en Flash. Voilà donc comment on va pouvoir tout simplement créer un nouveau projet. Maintenant, je vais vous montrer, pour éviter de perdre du temps à télécharger, un projet que j'ai déjà, par exemple, téléchargé, et vous montrer l'interface d'enrichissement. Alors, cette interface d'enrichissement est très simple. On va évidemment vous présenter un chemin de fer à gauche avec l'ensemble de vos pages, et on va avoir, lors du transfert de votre PDF, détecté automatiquement les zones de votre contenu. Comme vous le voyez ici, on a des zones vertes qui indiquent différentes zones de contenu texte repérées automatiquement par notre système. Et si je me mets là, on va aller vers une page où j'avais déjà rajouté des enrichissements, ce qui va permettre d'aller là aussi plus vite. Mais comment ça fonctionne? Très simplement, eh bien, vous avez un ensemble d'icônes dans la barre d'outils en haut et on va pouvoir tout simplement rajouter eh bien, des enrichissements de type audio, images, vidéo, des boutons qui déclenchent des actions, des webviews, donc des pop-up ou des plein écran pour aller sur votre site web, des encres pour pouvoir faire des sauts sur des pages spécifiques de votre document et puis bien sûr des diaporamas. Donc, il suffit de rajouter n'importe laquelle, donc par exemple ici, ça vous crée automatiquement un bloc que vous pouvez déplacer, mettre à l'endroit que vous souhaitez dans votre document. Et puis à droite, vous avez la partie paramétrage contrôle où on va pouvoir aller chercher ici, par exemple, la vidéo ou si ce n'est pas un fichier que vous souhaitez intégrer, on va pouvoir aussi passer en streaming et aller choisir une URL vers soit YouTube, Vimeo ou vos propres serveurs vidéo. Et avec, vous le voyez en dessous, un certain nombre de contrôles qui vous permet de paramétrer comment cette vidéo doit se jouer. Est-ce qu'elle doit tourner automatiquement dès qu'on entre dans ce document? Est-ce qu'elle doit passer plein écran? Est-ce que vous voulez laisser l'utilisateur avoir le contrôle sur cette vidéo? Voilà, tout un ensemble de paramètres qui sont à votre disposition, très simple, que vous n'avez plus qu'à choisir. Bon, là, on va le supprimer. C'était pour vous montrer comment on utilise ce genre d'enrichissement. Là, j'en ai créé, hein, par exemple. Là, j'ai mis un bouton qui déclenche une vidéo, tout simplement. Ici, j'avais mis une encre. Alors, on voit d'ailleurs, en cliquant sur ce document, qu'il y a non seulement ici, à droite, vous le voyez, un web link, c'est-à-dire que j'ai mis une URL qui va vers le centre Pompidou qui hébergeait cette exposition pour Magritte. Mais on voit également des flèches jaunes qui relient l'ensemble des blocs. C'est ce qui va vous permettre de rentrer ensuite en lecture guidée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un PDF, nous allons détecter automatiquement lors de son transfert dans notre système l'ensemble des blocs de contenu, pour vous permettre ensuite de lire sur les mobiles, avec notre liseuse, l'ensemble de ces contenus en lecture guidée. Je vais vous montrer dans un instant ce que ça veut dire clairement sur un iPad ou un iPhone. Voilà, et c'est fait automatiquement. Le reste, c'est moi qui l'ai rajouté, comme par exemple la page d'après, où là, j'ai mis un diaporama qui permet en effet de voir cela. Alors d'ailleurs, on peut aller voir concrètement ce que cela veut dire. Je vais vous prendre, puisque je peux aller aussi tout de suite voir le résultat.
Je vais vous montrer le résultat de cet export, puisqu'une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir exporter. Alors là, je vais l'exporter, je l'ai déjà exporté pour gagner du temps, et on va aller voir ce que ça veut dire, voilà, concrètement. Sachant que l'export HTML5, le voici, vous allez pouvoir l'exposer sur votre site web, vous allez pouvoir l'exposer sur votre intranet, si c'est de la documentation interne. Encore une fois, nos solutions servent à publier toutes sortes de documents, pas seulement de la presse, comme nous le faisons aujourd'hui beaucoup, mais aussi des documents d'entreprise pour la communication, le marketing, les ventes, mais aussi de la documentation technique. Tout cela est disponible au travers, de nos solutions. Ce sont des exemples que je vous montre ici. Alors, si on va vers, voilà, la double page Magritte, et je reviendrai vers cette liseuse web dans quelques instants. On va trouver ici le bouton qui déclenche la vidéo. Voilà. On va trouver ici l'hyperlien qui m'amène dans un nouvel onglet vers la page de l'exposition. Et si on passe sur la page d'après, on va retrouver ici le diaporama que j'ai mis en œuvre, qui s'anime automatiquement, puisque c'est comme ça que je l'ai conçu. Voilà donc l'export. Évidemment, ce même document va être exporté de la même manière dans une application native iOS Android, avec évidemment tout un ensemble de fonctionnalités dans nos apps que nous pourrons vous présenter lors d'un autre séminaire, puisque l'objectif, c'est de comprendre aujourd'hui comment bien préparer le contenu. Voilà, donc si je reviens à mon interface, une fois que vous avez fini d'enrichir, vous n'avez plus qu'à faire ici un export vers les différentes cibles que vous avez choisies. Voilà, donc ça, c'est la toute première méthode qui permet. Ouais, Oui? Stéphane, juste je t'interromps 2 secondes parce qu'il y a des questions. Donc effectivement, l'interface de CloudSoaring est en anglais. Oui, tout à fait. Voilà, c'était la Pas d'autres questions, non? Non, pour le moment, après, il y a une question sur la sortie du plugin design, mais je sais que tu vas en parler juste après. Voilà, on y va juste, ça tombe bien, c'est la bonne transition. Merci Alison. Donc pour finir sur cette partie-là, comme on vous l'a dit, là je vous ai montré comment créer un contenu enrichi, interactif à partir d'un PDF, mais on peut automatiser ce que l'on vient de voir au travers de serveurs FTP chez vous ou chez nous, c'est-à-dire que vous déposez l'ensemble de vos PDF à un endroit qui est évidemment reconnu de nos serveurs. On paramètre un flux automatique sur Conversion Flow et à ce moment-là, ce que je viens de faire en manuel, on va pouvoir le faire en automatisé et vous permettre de publier une grande masse de PDF d'un seul coup. Voilà. Alors, on va passer en effet à la deuxième partie qui probablement intéresse aussi beaucoup d'entre vous, qui est le plugin maintenant pour Adobe InDesign, donc ce que nous appelons InDesign Authoring. Donc, ce plugin, en fait, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de notre site web. Donc, je vous laisserai aller après ce séminaire sur aquafadas.com et vous retrouverez l'ensemble de nos outils, y compris ce plugin qui est gratuit en téléchargement. Alors, comment ça se passe? On va tout de suite basculer dans mon InDesign. Ça va être plus simple plutôt que de vous lire une slide. Donc, voilà InDesign CC 2015 ici. Alors, évidemment, la première question que vous allez certainement poser, c'est sommes-nous compatibles avec la dernière version d'Adobe InDesign, la CC 2017? Eh bien, nous sommes en train de faire le portage et la migration de notre plugin pour cette version-là. Elle est bien avancée puisque je vais vous montrer en avant-première des écrans, des screenshots de cette solution. Je ne peux pas vous la montrer en live aujourd'hui. Nous allons sortir une pré-release de ce plugin début mai, fin avril, début mai, qui permettra à certains de nos clients référencés de tester le plugin avant de pouvoir évidemment commencer à le mettre en production. Mais nous sommes en cours de migration. Pour l'instant, ce que je vous montre, c'est le plugin existant sur la version CC 2015, donc que vous pouvez choisir et télécharger vous-même. Alors, comment ça fonctionne? Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez ici tout d'abord un petit poisson qui est notre symbole et icône ici qui vous permettra de télécharger l'ensemble des applications puisqu'il ne suffit pas de télécharger l'application, le plugin pour InDesign, mais également après pour pouvoir visualiser, tester vos contenus sur vos portables, vos tablettes ou vos ordinateurs, il y a des viewers gratuits, tout cela bien sûr, à la fois pour les différentes plateformes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Après, vous avez accès aussi à d'autres applications chez nous,
Mais par exemple, ici, comme les applications AppFactory qui vous permettent de créer des apps, mais celles-ci, vous ne pourrez pas les utiliser gratuitement, il faudra prendre des licences chez nous. Par contre, vous pourrez commencer à créer du contenu de test avec ce plugin et le tester avec les viewers sur les différentes plateformes. Donc, vous aurez ce poisson qui vous permet de charger, de mettre à jour le plugin et les autres applications que vous téléchargez chez nous. Une fois que vous avez installé le plugin, un nouveau menu va apparaître dans votre barre de menu InDesign, ici, où vous allez voir trois palettes apparaître. Alors, ces trois palettes, vous en voyez une déjà ouverte à droite de l'écran, ici, qui est la palette Project Manager. C'est là où vous allez pouvoir créer votre projet, c'est-à-dire le document que vous souhaitez publier. Je vous rappelle que l'objectif ici, c'est de créer cette fois-ci un document qui est parfaitement adapté à un iPad, par exemple, ou une tablette Android, ou un smartphone Android, iPhone. C'est vous qui allez définir en créant un nouveau projet. Donc, comment ça marche? Eh bien, pardon. Je vais cliquer au mauvais endroit. Voilà. Vous allez pouvoir ici créer des nouveaux projets. D'accord? Quand vous créez un nouveau projet, vous allez dire sur quel type de device, donc quel type de périphérique vous souhaitez envoyer votre document, ce qui va vous permettre de concevoir votre document exactement, je vous rappelle, au pixel près par rapport à votre ratio et taille d'écran. Donc là, on retrouve ici des iPads qui peuvent être en format Retina ou non, ce qui change évidemment, vous le voyez, la résolution maximale derrière. On peut aller évidemment vers du Kindle Fire, du Kobo, les différents périphériques Android, etc. Donc on les retrouve ici. Une fois que vous avez créé votre projet, vous allez pouvoir y ajouter vos pages. Puisqu'on va créer une sorte de chemin de fer, comme on le voit ici à droite, avec l'ensemble de vos pages, que nous appelons des articles, tout simplement parce que là, vous allez pouvoir évidemment faire une navigation à la fois horizontale et verticale, comme vous le souhaitez, puisque rappelez-vous, on crée cette fois-ci vraiment un document numérique à l'attention des utilisateurs mobiles. Donc l'objectif n'est pas de faire comme un PDF en page par page, mais d'essayer de créer une véritable expérience de navigation. Je vais d'ailleurs vous montrer un exemple concret de ce qu'on peut créer avec ce plugin dans une seconde. Mais une fois que vous avez créé votre projet, vous allez avoir votre contenu, évidemment, ensuite à créer dans InDesign. Donc là, ça requiert des compétences classiques hein, de graphique designer, de maquettiste. Donc toute personne qui sait manipuler InDesign va pouvoir facilement créer évidemment ses contenus, ses layouts, et ensuite rajouter des interactivités au travers de la deuxième palette, la palette AVE Interactivity, qui vous permet en sélectionnant ensuite un bloc ou une zone de votre document de dire voilà, qu'est-ce que l'on va mettre comme action sur cette zone. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'interactivité, pardon, disponibles, des diaporamas, des vidéos, des boutons qui déclenchent des actions, des webviews, etc., mais aussi des quiz, des jeux, et même vos propres animations HTML5 que vous allez pouvoir intégrer. Une fois que vous avez donc enrichi votre document, vous allez pouvoir l'exporter. La troisième palette, enfin, que vous voyez ici, est une toute nouvelle palette qui est parue tout récemment, qui vous permet de visualiser l'ensemble des interactivités que vous avez déjà créées dans le document. Ce qui vous permet évidemment d'aller vite repérer l'endroit où vous avez mis, par exemple, ici une flèche gauche qui vous permet de sauter à une autre page ou une flèche droite ici. Vous allez ainsi pouvoir retrouver facilement vos interactivités dans l'ensemble de votre document, qui peut être parfois très complet et très complexe, grâce à cette nouvelle palette, qui d'ailleurs, vous le voyez, préfigure déjà les nouvelles palettes qui vont arriver en CC 2017, puisque celle-ci a été faite en HTML5. Contrairement à l'ancienne palette qui, elle, a été faite à l'origine en Flash. Voilà, donc vous voyez à gauche le futur de nos palettes qui vont arriver très prochainement. Alors, je vais vous montrer, avant de vous montrer une prévisualisation de justement le plugin pour la version 2017, je vais vous montrer sur mon iPad ce que l'on peut créer grâce à ce plugin InDesign. Donc, pour ça, je vais répliquer voilà, mon iPad sur l'écran. Je vais cacher InDesign pour qu'on y voit tous un peu plus clair, cacher un petit peu tout le reste. Voilà.
Et cette fois-ci, je peux retourner sur mon iPad. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple de contenu qui a été créé par un de nos clients et son agence. Je vais un petit peu d'ailleurs quitter le son, parce que sinon, ça va nous gêner. Voilà. Donc là, vous voyez un premier exemple d'interactivité qui est le déclenchement d'une vidéo automatiquement sur la page de couvre. Ça peut être n'importe où, ça peut être déclenché à la main, mais ça crée évidemment un certain effet. Ensuite, on va avoir une navigation, comme je vous l'ai dit, à la fois verticale et horizontale. Donc ici, on voit des flèches qui indiquent clairement que l'on peut naviguer vers le bas. D'ailleurs, il y a même une icône qui clignote pour nous rappeler l'interactivité disponible dans ce document et une flèche à droite aussi qui clignote pour dire qu'on peut aller également à droite. L'objectif, c'est d'avoir un ours ici tout simplement une panoplie soit de la table des matières, soit ici des personnes qui participent à cette création, d'avoir une navigation à la fois horizontale et verticale. Et puis quand on arrive au bout, et bien, tout simplement on va passer à la page suivante. D'ailleurs, vous avez ici, si je clique en haut, vous allez avoir ici la possibilité de voir l'ensemble du chemin de fer, d'accord ? Et puis on va retourner sur le sommaire qui peut vous amener directement vers la page concernée, ou vous permettre également d'avoir des animations. On a des clients qui font des carrés qui swappent automatiquement à cet endroit-là. Là, je vais passer à la page suivante qui, elle, par contre, est en navigation verticale, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va passer à la page d'après maintenant. Ici, vous avez aussi, c'est très intéressant, la capacité de créer des jeux, comme je vous l'ai dit, ou des interactivités avec vos utilisateurs, vos consommateurs. Là, par exemple, on va pouvoir, avec mon doigt, tout simplement découvrir le contenu qui est sous cette page, sous cette couverture. Donc ça, c'est très intéressant. Encore une fois, tout cela a été créé avec le plugin InDesign. Ici, on va retrouver plutôt des animations en haut avec l'animation des horloges, des petits pop-up qui se déclenchent si on appuie sur les petites zones rouges, hein, qui permettent à partir d'une map monde très facilement d'indiquer un certain nombre de contenus, et vous voyez, avec des pop-up à défilement, ce qui vous permet de mettre beaucoup d'informations sans casser pour autant votre mise en page. Encore une fois, après, c'est le talent du designer, hein, de faire une mise en page adaptée. Voilà, on va passer, là on a encore la vidéo qui se lance automatiquement, un article derrière. Je vais continuer. Alors là, on se retrouve plutôt dans un exemple de planche, comme on dit, une planche horizontale que vous allez pouvoir scroller complètement à droite, donc défiler vers la droite. Donc, vous pouvez faire des planches, vous l'aviez vu tout à l'heure, verticales, mais aussi des planches horizontales, ce qui peut donner un certain effet, notamment pour des chronologies, par exemple. Là, on trouve un autre exemple d'interactivité avec vos sites web existants et aussi d'interactivité pour passer en mode marchand. Donc, comme ici, par exemple, où j'ai un caddie qui me permet, en cliquant dessus, d'atterrir directement sur la page web du store concerné, donc du magasin en ligne concerné. Ça peut être aussi une intégration directe d'un moyen de paiement électronique, hein. Là, dans ce cas-là, c'était uniquement ramené vers le site web marchand de ce client-là. Donc, on peut avoir évidemment des interactions avec d'autres systèmes. Là, après, ça devient aussi de l'intégration sur mesure, si vous le souhaitez, avec d'autres systèmes d'information, d'autres applications. Là, je vais avancer un petit peu, parce que je sais qu'ici, nous avons par exemple un exemple de 3D qui vous permet, avec le doigt, de faire scroller. Alors, c'est de la 3D très simple, hein. Vous avez juste à fournir un ensemble d'images qui composent l'objet en 3D. Donc, vous prenez des photos de votre objet sur toute sa surface 3D. Vous les mettez sous forme presque de diaporama quelque part. Et puis ensuite, vous pouvez mettre un contenu contextuel en fonction de l'endroit où vous êtes sur une image. Un autre exemple ici d'animation 3D, mais avec un effet plus saccadé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'utilisateur a pris moins de photos. Ici, on se retrouve un peu dans le cadre de la map monde de tout à l'heure, mais avec un plan de ville dans lequel on va trouver les différents endroits où on peut venir déguster ces alcools-là. Voilà donc un exemple. Là, une autre vidéo. Encore une fois, on voit très bien l'effet de style que peuvent donner de très beaux contenus bien mis en place et bien mis en image. Des pop-up, encore une fois, avec des parties fixes, des parties déroulantes. Voilà, on va fermer ce pop-up et passer à la suite. Voilà.
Et puis je vais finir, j'en ai plus qu'une quasiment, j'en ai plein d'autres, c'est un très bon exemple puisqu'il y a, regroupe beaucoup d'interactivité. Ici, on va pouvoir aussi utiliser un slider, donc qu'on va pouvoir faire déplacer pour faire apparaître une autre image sous le slider. Ça a été utilisé notamment sur des livres aussi de photos, livres photos qui utilisent ça pour montrer l'effet d'un filtre photo sur une photo classique. Donc ça peut être très pédagogique et très didactique. Voilà, je ne vais pas aller plus loin puisqu'on pourrait passer la journée à évidemment voir ce que l'on peut faire avec ce plugin InDesign. Ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi de vous montrer ce qu'on peut créer comme contenu. Et avant de passer à d'autres contenus, je vais vous montrer surtout un aperçu des futures palettes pour Adobe InDesign CC 2017. Donc vous avez vu la palette qui résume l'ensemble des enrichissements. Alors je vais quitter le, voilà, je vais enlever l'AirPlay pour qu'il ne gêne pas. Voilà, donc cette palette, on retrouve ici par exemple la palette Project Manager que vous voyez en haut à gauche ici sur mon écran, avec la fameuse structure. Alors vous aviez vu notre ancienne palette hein, qui était quand même qui prenait beaucoup de place. Grâce à cette nouvelle palette, ces nouvelles palettes en HTML5, nous avons réduit l'espace et réagencé l'espace d'une manière plus efficace. Donc tout cela permet de rentrer plus facilement sur les écrans également. On retrouve à droite la palette de la liste des enrichissements. Donc je vais avancer sur les différentes palettes. Ici, c'est quand vous déployez une page en particulier dans la palette de gauche, la palette structure. Vous allez voir l'ensemble des pages d'un article. Donc un article étant une zone où vous allez avoir plusieurs contenus. Et puis enfin, on va passer à la palette des interactivités. Donc là, l'objectif, c'est évidemment de sélectionner une zone d'abord. Et on va retrouver les interactivités, donc soit sous forme de liste, comme on le voit là. Donc c'est évidemment beaucoup plus compact. On peut aller directement à une interactivité, mais on retrouve aussi l'ensemble des icônes, si vous préférez ce mode d'affichage. Mais en plus petit, encore une fois. Donc on voit qu'ici, on a quand même résumé l'ensemble des trois palettes sur un écran beaucoup plus petit. Alors, toutes les interactivités sont exactement identiques à celles que vous avez aujourd'hui dans la version d'aujourd'hui. Il n'y a aucun changement ni ajout d'interactivité. Elles ont juste été portées, mais juste est un terme très rapide et raccourci puisqu'il y a un énorme travail de portage en HTML5 de tout ce qui avait été fait par nos équipes en Flash. Donc, c'est un très gros travail qui est en route déjà depuis l'année dernière et qui va bientôt se terminer, comme vous l'avez compris. Donc ici, on va retrouver les paramètres d'une interactivité comme le bouton. Donc je ne vais pas vous faire le détail, mais vous voyez que nous sommes vraiment parfaitement intégrés cette fois-ci au nouvel univers Adobe InDesign et donc ces palettes en HTML5. Voilà l'exemple d'un diaporama où on va trouver les photos ici sous forme de petites icônes à gauche. Donc encore une fois, beaucoup plus compact et efficace. Et l'ensemble des paramètres, voilà, je vais passez vite parce que l'objectif n'est pas de trop s'attarder sur cette version qui arrive très bientôt. Vous serez averti par évidemment notre site web et les newsletters d'Alison dès que cela sortira. Voilà, on va revenir au fil de notre présentation pour terminer dans les temps. Donc, je vais reprendre. Nous avons vu Cloud Authoring pour faire du PDF, le plugin InDesign. Maintenant, il y a également d'autres solutions chez nous pour automatiser vos productions numériques. Alors, cette solution, c'est Creative Flow maintenant, où vous allez pouvoir mixer ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la création non plus d'un contenu dans Adobe InDesign, mais d'un modèle, c'est-à-dire d'un template. Vous allez utiliser le même plugin, dessiner en fait l'ensemble de vos blocs. Comment ça marche, le voici. À gauche, vous allez dessiner dans InDesign en fait tout simplement votre template, mais avec des blocs plutôt vite et puis des textes d'essai, bien entendu. Et puis la solution va permettre de remplir automatiquement ces blocs avec vos contenus structurés, donc généralement au format XML. Donc si je reviens là, comment ça se passe? On va aller tout simplement chercher vos contenus à un endroit, probablement dans vos gestions de contenus existantes, les CMS ou encore les ECM, peu importe les différentes solutions que vous avez, du moment que vous pouvez fournir un contenu structuré en XML, nous pourrons l'intégrer après étude, s'il s'agit évidemment d'une structure XML qui est différente. Et vous mixez ça avec vos templates InDesign, et ça vous permet de générer automatiquement une sortie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, du paramétrage.
mais vous faire un autre exemple de démonstration. Donc pour ça, je vais réafficher mon iPad à l'écran et vous montrer ce que cela veut dire, comment c'est généré automatiquement. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser un autre exemple. Je vais quitter ça pour qu'on ne soit pas gêné. Ça aussi. On retrouve voilà, l'iPad, ça va être plus simple. On va utiliser un autre exemple qui est le journal du dimanche, qui est produit automatiquement avec, avec notre solution. Là, vous avez justement la couve, la une, qui a été faite en version horizontale pour tablette, mais ils ont fait également une version portrait pour tablette. Et enfin, ils ont fait également une autre version de template pour smartphone, en portrait uniquement, puisqu'évidemment, souvent, un contenu, surtout texte et surtout quotidien, se lit plutôt en vertical sur un smartphone. Donc, ils ont fait trois templates, ce qui leur permet aujourd'hui de produire automatiquement, en poussant le contenu de leur journal, de produire automatiquement la sortie numérique avec nos outils. Donc, si je passe à la page de droite, on va trouver ici une première rubrique, la rubrique événements, dans laquelle on va pouvoir descendre verticalement. Ils ont fait ce choix d'avoir une rubrique verticale à chaque fois, dans laquelle on retrouve l'ensemble des articles. Et là, vous pouvez évidemment descendre au fur et à mesure des articles. Donc là, vous êtes vraiment dans un design qui a été prévu pour tablette, mais vous pouvez à tout moment, vous voyez par l'icône PDF en bas à droite, revenir vers l'édition PDF si vous le souhaitez. Voilà, donc on va revenir ici sur notre édition. Pardon, je suis sorti complètement, je vais re-rentrer dedans. Voilà, donc vous avez l'ensemble des rubriques. Pour vous donner une idée, je vais vous montrer ce que ça donne également. J'ai coupé la partie iPad et vous montrer ce que ça donne à partir d'un smartphone. Donc là, je vais utiliser mon smartphone et vous montrer ce que ça donne comme résultat. Voilà mon smartphone. On va aller rechercher là aussi le journal du dimanche que j'avais déjà ouvert. Vous aviez vu tout à l'heure la rubrique événements, comment elle apparaissait. Vous voyez donc une présentation légèrement différente, mais beaucoup plus adaptée au smartphone. L'idée étant évidemment qu'une fois que vous avez fait l'ensemble des modèles associés à chaque rubrique, à la couverture, dans les différentes orientations, et puis les différents ratios d'écran, vous allez pouvoir, grâce à la solution Aquafadas Creative Flow, automatiser la fusion de vos contenus structurés qui proviennent de vos gestions de contenu avec ces modèles, ces templates très riches et descendre directement, par exemple, dans la page politique, puis ensuite dans un article. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un article que vous pouvez lire de la même manière sur votre smartphone. Donc, voilà ce que vous pouvez produire en automatique avec Creative Flow. Je vais couper le mirroring ici pour revenir à notre présentation. Alors, comment ça se passe en fait? Je pourrais vous montrer évidemment lors d'un autre séminaire en détail ce que représente le paramétrage de Creative Flow. Mais globalement, nous avons un outil en ligne là aussi, donc une plateforme SaaS complètement, qui vous permet de configurer un chemin de fer dans lequel on va déterminer les différentes rubriques, puis des règles, on a un moteur de règles, et enfin des modèles, d'injecter vos modèles en InDesign, puis d'aller chercher vos contenus XML comme on les voit dans la colonne de droite, c'est l'ensemble de vos fichiers XML qui permettent de voir l'ensemble de ces contenus, et ensuite le moteur va automatiquement associer les articles avec les modèles dans les différentes rubriques et pouvoir générer la sortie. Voilà, donc nous avons vu cela. Pour terminer, nous avons également une version de Creative Flow qui vous permet maintenant d'associer des modèles, des templates HTML5 et pas seulement InDesign comme auparavant. Donc de créer une sortie pure responsive web à l'image de ce que font les CMS web, mais cette fois-ci, cette solution va vous permettre de créer aussi des enrichissements, des interactivités avec nos fonctionnalités très étendues, comme vous l'avez vu avec le plugin InDesign, de marier tout ça ensemble, c'est-à-dire votre contenu XML, vos interactivités, vidéos, images, animations, applications HTML5, avec des modèles HTML5 que vous pouvez réutiliser à partir de votre web team ou de votre partenaire agence qui vous a fait votre site web, de mixer tout ça ensemble et de générer la sortie soit AVE pour aller dans des applications mobiles que nous vous proposons à notre catalogue. Vous pouvez faire des applications de nouvelle génération très intéressantes. Ça fera l'objet d'un autre séminaire et vous en avez déjà en ligne également. Et puis ensuite, de générer automatiquement la sortie. Voilà. Et enfin, vous pouvez associer les deux, c'est-à-dire
je vais passer directement voilà, à cette slide, pardon, ici. Vous allez pouvoir associer aussi des templates HTML5 avec des templates InDesign et avoir donc le mariage du PDF si vous avez par exemple un contenu que vous souhaitez offrir à vos utilisateurs qui soit quand même identique à ce que vous aviez imprimé, mais en ayant derrière du templating HTML5 pour la partie reflow. Ce qu'on appelle la partie reflow, c'est ce qui vous permet de descendre dans des contenus articles. Et je vais finir par cette démonstration-là en quittant voilà, mon keynote et en vous montrant ce que l'on peut faire en termes de mariage des deux. Donc là, vous allez pouvoir en effet exporter un contenu. Ici, c'est notre Wave Magazine. Vous voyez d'ailleurs au passage notre nouvelle liseuse web, c'est-à-dire avec un ensemble de contrôles que vous pouvez complètement customiser vous-même. Ici, la possibilité de zoomer en bas à droite. Ici, vous allez avoir un chemin de fer qui vous permet d'aller directement sur une page. En haut à gauche, vous avez aussi le chemin de fer qui est accessible d'une manière très visuelle. Et enfin, une table des matières qui a été redessinée, qui vous permet de sauter directement vers un article donné. Voilà, là, je vais passer en niveau de zoom, comme ça, on le verra mieux. Et puis, d'aller directement vers la page concernée. On a également d'autres contrôles qui vous permettent de télécharger le contenu avec un PDF compagnon si vous avez mis à disposition un PDF qui correspond à votre publication. Vous pouvez aussi mettre des bookmarks, des annotations qui sont synchronisées entre vos différents périphériques. Et enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire des sorties très intéressantes, comme ici un exemple avec un de nos clients qui n'utilise pas encore la solution, mais sur lequel nous avions fait un prototype. Vous voyez ici la publication du magazine, du quotidien, pardon. Si je clique ici, je vais pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la lecture guidée, c'est-à-dire à partir d'une prévisualisation image qui permet d'aller très vite sur les mobiles pour charger le quotidien ou le magazine ou votre document. Vous allez pouvoir très vite le visualiser, le prévisualiser, puis dès que vous passez en mode zoom, vous allez pouvoir ici passer avec les flèches droite et gauche à lire la suite de votre magazine. Ça, c'est ce que nous appelons la lecture guidée, qui est faite automatiquement, vous l'avez compris au départ, avec par exemple l'upload d'un PDF. Nous avons des algorithmes très perfectionnés qui vous permettent de détecter ces zones de contenu. Et puis, il n'y a pas que cela. Je dirais qu'une fois que vous avez choisi vraiment un contenu, vous pouvez aussi passer, c'est ce que je voulais terminer pour cette présentation, vous pouvez également passer dans un mode complètement reflow, c'est-à-dire un mode responsive web, où là, vous avez le contenu qui est en pur HTML5, en partant du PDF, vous avez vu qu'on combine à la fois le PDF et votre contenu HTML5. Et là, on va pouvoir passer dans une vue parfaitement responsive avec un texte, une image qui s'adapte à votre écran et votre ratio. Donc, que ce soit un smartphone, évidemment, comme ici, ou que ce soit, par exemple, une tablette, comme à cet endroit-là. Et avec des contrôles également plus intéressants, puisque ici, on va pouvoir modifier, par exemple, la taille de la police. On va pouvoir mettre des bookmarks, des annotations. Voilà l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez avoir en sortie à partir de nos outils. Donc, je vais quitter d'ailleurs cette talk. Voilà. Et puis, on va ressortir de là. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé puisque d'ailleurs, mon temps imparti est terminé également. Donc, pour terminer, je n'ai qu'une seule slide à vous montrer, c'est que tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant peut être combiné, c'est-à-dire vous pouvez faire de la création de contenu numérique immédiatement à partir du plugin InDesign. Vous pouvez le faire aussi à partir de vos PDF via l'interface web Cloud Authoring. Vous pouvez enfin automatiser l'ensemble de tout ça avec vos contenus au format XML, vos interactivités, vos images, vos sons et vidéos. Et enfin, Cloud Connect qui vous permet de gérer la diffusion. Ce n'était pas l'objet de ce séminaire aujourd'hui, ça fera l'objet d'autres séminaires. Mais Cloud Connect vous permet de gérer finement la diffusion vers vos apps, vos écrans, etc. Donc voilà l'ensemble des solutions de création de contenu numérique interactif que nous voulions vous présenter ce matin. Et nous vous remercions d'avoir été patients jusqu'à la fin du séminaire. Et je vais laisser la place maintenant aux questions. Absolument, il y en a quelques-unes. Alors peut-être on va revenir en arrière à propos de Cloud Authoring, donc l'outil qui permet d'intégrer un PDF et d'en sortir une version numérique. La question était, est-ce
qu'on peut mettre à jour les pages après importation. C'est-à-dire que une fois qu'on a ajouté des enrichissements sur les PDF, est-ce qu'on peut les modifier? Alors, on peut juste modifier les enrichissements, c'est-à-dire que une fois qu'on a, parce que lors du transfert du PDF, c'est là où nous analysons votre PDF, nous détectons les zones de contenu, nous le déconstruisons en quelque sorte dans notre usine digitale. Donc, si vous voulez modifier le contenu lui-même, il vous faudra réimporter l'ensemble du PDF et donc refaire l'ensemble de vos enrichissements. Donc ça, c'était la question pour Claude Sorine. Après, à partir du plugin InDesign, il y avait une question plus particulière sur les animations qu'on voyait dans le document, les animations d'horloge sur la map monde, en quel format elles ont été faites. Je pense, Oui, pour la. ouais, dans Alors pour la le part, document sur la map. j'ai pas le source de ce fichier qui a été créé par une agence pour un de nos clients. En général, les animations, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Soit vous faites un 3D, par exemple, un effet 3D avec une combinaison d'images, un peu comme les images animées. C'est ce que vous voyez ici. D'ailleurs, vous avez Animated Image. Où vous allez pouvoir rajouter un ensemble d'images. Vous voyez, là, je peux aller choisir des images qui sont sur mon disque dur, puis ensuite régler comment cette animation va se faire, de manière automatique ou pas, avec les délais. Donc ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est de faire comme une 3D avec un ensemble d'images et ça va automatiquement s'animer, ou enfin une vidéo. Donc il y a plein de possibilités pour faire ce genre d'animation, mais celle-ci est la principale. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on peut intégrer des animations faites en HTML par ailleurs et Absolument. intégrer dans le document? Absolument. Merci Alison de le rappeler parce que c'est fondamental à l'heure où aujourd'hui vos sociétés font toutes de la création ou font faire de la création d'animation, de publicité, d'application, de jeux en HTML5. Vous pouvez les intégrer au travers de WebView, hein, tout simplement, dans notre système, puisqu'en fait, il vous suffit de choisir. Voilà, cette animation-là, dans laquelle, cette animation, en fait, cette interactivité-là, dans laquelle vous allez pouvoir ici choisir un dossier dans lequel vous avez l'ensemble de votre application ou animation HTML5, ou même une URL si vous souhaitez héberger cette animation sur un de vos serveurs web. Et enfin, une dernière question sur le plugin InDesign. Est-ce que l'on prévoit de prendre en compte un export EPUB en mode reflow? Alors, ça n'est pas prévu pour l'instant. Nous avons, pour être honnête, réduit nos investissements et nos efforts en matière d'EPUB, puisque l'intérêt aujourd'hui, la convergence, même si l'EPUB y va aussi, c'est le HTML5. Donc, nous produisons la plupart de nos enrichissements très riches et interactivité très riches, y compris le reflow, qui est évidemment très demandé, plutôt en HTML5, comme vous venez de le voir, ou pour l'AVE, mais pas pour l'EPUB pour l'instant. Alors pour le plugin, nous avons fini les questions. Il y avait une question sur la liseuse web. Est-ce qu'il est possible de personnaliser le fond ou par exemple d'ajouter un logo corporate? Oui, alors tout à fait, c'est une question fondamentale même, puisque là vous avez la liseuse d'ailleurs que je peux passer en plein écran. Vous avez un ensemble d'outils, vous voyez ici, vous avez à gauche un menu, par exemple, avec l'ensemble de votre table des matières ou vos articles. Ici, vous avez une icône qui vous permet de passer en mode reflow à partir du PDF et vice-versa, le chemin de fer. En bas, vous avez un chemin de fer aussi qui vous permet de sauter directement à une page. Et enfin, le niveau de zoom que vous réglez en bas à droite. Toutes ces zones-là sont configurables intégralement par vous et pour vous. C'est du pur web, donc ça veut dire que c'est du CSS. Vous pouvez le modifier vous-même pour avoir vos propres logos, vos propres couleurs, vos propres textes par-dessus. Donc n'importe quel web designer qui sait créer une page pour un site web est capable de modifier les modules de la liseuse web. Absolument, c'est de la technologie web tout à fait standard, donc du CSS. Très bien. Et enfin, dernière question d'ordre générique. Combien ça coûte?
Alors, c'est en effet une très bonne question. Alors, nous avons évidemment des tarifs, nous avons des tarifs de base qui vous permettent de démarrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, si vous voulez démarrer au niveau du plugin InDesign, vous pouvez le tester gratuitement avec le plugin que vous téléchargez. Maintenant, si vous voulez produire une app, c'est là où commence la tarification, en effet. Si vous voulez produire une app, nos tarifs commencent à partir de 3 000 euros en général pour produire une app avec un contenu simple, c'est-à-dire un seul contenu dans l'app qui peut être lancé automatiquement, par exemple, au démarrage de l'app. C'est ce que nous appelons des apps monodocuments. Vous pouvez aller ensuite vers des apps qui ont 12 publications, qui commencent à des tarifs plutôt vers 6 600 euros. Et enfin, si vous voulez des publications illimitées, vous avez des apps, je parle uniquement des apps pour l'instant, à 25 000 euros. Quand nous parlons d'app, nous vous offrons une app multi-support, c'est-à-dire une app à la fois pour iOS, pour Android, mais également pour le web avec la fameuse liseuse web que vous venez de voir. Tout cela est intégré dans ce packaging. Et enfin, si vous préférez intégrer nos solutions dans vos apps existantes, puisque bien souvent vous avez déjà des apps, nous avons un SDK, un kit de développement que nous pouvons fournir à vos développeurs et qui lui vaut 25 000 euros. Ces licences-là sont des licences annuelles. Pourquoi? Puisque nous faisons évoluer évidemment ces plateformes-là en fonction des nouvelles versions d'iOS, d'Android, de Windows, de macOS 10 et des navigateurs web. Donc ce tarif inclut évidemment la mise à jour vers ces nouvelles plateformes durant l'année. Voilà. Et puis bien entendu, au-delà de cela, si vous avez des projets particuliers ou tout simplement vous souhaitez intégrer à vos applications, vos systèmes d'information pour combiner avec des contenus qui sont à vous, là nous proposons tout simplement, comme beaucoup, de nous rencontrer pour vous refaire une présentation beaucoup plus personnalisée, voire même des prototypes avec vos contenus, et surtout d'étudier votre écosystème pour vous dire et vous chiffrer exactement ce que sera ce projet dans votre environnement. Très bien, merci Stéphane. Donc l'objectif de ce séminaire, c'était de vous montrer comment on peut créer des documents interactifs, soit sans écrire une ligne de code à partir du plugin InDesign, soit de manière automatisée à partir de vos PDF ou de flux XML, et de sortir des versions lisibles sur smartphone, sur tablette et sur le web. Et comme disait Stéphane, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des projets spécifiques et que vous voulez qu'on regarde avec vous comment les mettre en œuvre. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Stéphane. Merci Alison et merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.